Comme ils se savent incompétents, ben ils se vengent sur nous. Arrête ton bonnerie paranoïa. C'est pas parano. C'est juste qu'ils n'ont pas le courage de se former, ils n'ont pas le courage de travailler, et ils n'ont même pas le courage de supporter les coups durs. Parce que nous, il nous en faut du courage, hein. Et quotidiennement, en plus. Et avoue que tu te fous toujours en rogne juste pour pas avancer d'un pouce. Hé, je t'appelle pour me soutenir, pas pour m'enfoncer. Tu connais qu'il se passe quelque chose dans ta vie, que quand c'est moi qui m'en occupe. Oh, vous êtes trop beau, monseigneur. Et des remerciements sincères, ça t'écorcherait la bouche. Imaginer le futur, c'est comme imaginer son prochain repas alors que tu n'en es qu'à l'entrée. Tu es incapable de te délecter de ce qui est devant toi, là, dans ton assiette. Quel gâchis! Mange. Mâche. Mastique. Déchiquette, déglutis et digère. Enfin vie, quoi! Bon, alors tu me racontes? Bah, tu sais que je suis une tombe, hein? Et t'es arrivé en retard, hein, c'est ça? Non, parce que c'est un peu sa spécialité. Hein. Enfin, je dis ça... Bah dis donc, pour une vraie tombe, t'es bien au courant. Je suis pour rien, moi, si on me raconte tout. Et puis, j'ai rien demandé, hein. Enfin. Un problème? Bonjour. La batterie neuve, je comprends pas. Vous savez, c'est tellement compliqué, les voitures. C'est peut-être le démarreur. Ou autre chose. Oh, quelle merde, j'ai pas un entretien d'embauche. Mais je peux vous emmener si vous voulez. Ah, écoutez, c'est gentil, mais... Et entre voisins. Non, non, non. Mais... Non, mais elle est pas comme ça. C'est une fille comme les autres. Pas sûr qu'un régime sans sel veuille dire qu'on remplace par du piment.